des plus jolies combinaisons de maths de l'histoire des échecs, dans une très vieille partie qui date de la fin du 19e siècle entre Vaccaroni et Masocci. Ici, les blancs ont l'air plutôt mal en point puisque leur roi est sous la menace d'un échec et mat, et on a l'impression que leur attaque patine un peu. Toutes les pièces noires ont l'air de parfaitement défendre. À première vue, il n'y a pas d'échec qui marche. Et pourtant, il y a une superbe combinaison de maths. Si vous les trouvez par vous-même, je vous laisse mettre pause une seconde. Sinon, voici la solution. Dame G4 échec, on sacrifie la dame, le fou est obligé de la capturer, et derrière un deuxième sacrifice somptueux, tour prend H6, elle est défendue par le fou, on dévie le pion, et le fou blanc vient délivrer un mat de Boden, les deux fous contrôlent toutes les diagonales, et le roi noir est cloué au pilori.